qui m'a plu dans le basket, c'est l'esprit d'équipe, je pense. Je faisais en même temps un sport individuel et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de continuer. C'est vraiment d'avoir des amis avec qui on partage cette passion, quoi. Je me souviens du tout premier entraînement que j'ai dû faire. En fait, j'étais avec ma mère et je voulais pas y aller. En fait, j'étais sur le côté et elle a dû me forcer à y aller parce que j'étais trop timide et que j'avais pas envie d'y aller. Et voilà, et c'était rigolo parce qu'après, une fois que j'y étais, je voulais plus en sortir. Mais au début, c'était compliqué. J'en ai pris conscience, je pense, quand je suis rentrée au centre de formation de Bourges. Ça me paraissait un petit peu surréaliste pour moi. Vraiment, j'avais pas du tout pensé pouvoir y arriver. Et donc, une fois que j'étais là-bas, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, bon, ça commence vraiment à être sérieux. Et puis, c'est vrai qu'au contact aussi des pros là-bas, ça fait rêver. Donc, voilà, j'avais vraiment envie, je pense, après, d'en faire mon métier. Je suis capable de mettre de la pression défensive. Et puis, voilà, après, ces qualités font que, aussi, j'arrive à courir assez vite. Et donc, je pense que ça m'aide dans ça. Je me souviens de la première fois où j'ai été appelée en A, c'était il y a 2 ans. Donc c'était l'année après que j'ai fini l'équipe de France Jeunes. Donc c'était un peu tout nouveau, mais c'était une grande fierté. J'étais vraiment très contente d'être là et j'en garde un superbe souvenir. Le maillot bleu, ça représente énormément de choses, mais dès qu'on l'enfile, on a vraiment envie de tout donner. On ne peut pas se permettre d'être... à 50% ou même à 99%, même à 100%, il faut être à 150% parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui rêveraient de le porter. Et puis voilà, ça fait plaisir. C'est aussi un petit accomplissement de tout le travail qu'on a pu fournir depuis qu'on est jeune. Donc c'est vraiment un maillot magnifique et quand on le porte, on se bat pour son pays tout simplement.